Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Tiny Tinus Wonderland live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Je peux relancer des sorts! Ces idiots poursuivirent ainsi leur quête pénible et futile, ne manquant pas de piétiner au passage de précieux coraux voués à mourir dans ces terres désormais arides. Le fond de l'océan ainsi exposé révèle ses trésors cachés. Il y avait plein de bidules dans l'eau et des débris flottants. Hein? Parce que les débris flottent encore? Disons qu'ils ont dû flotter à un moment. Comme ça, tout le monde est content? J'ai rien à ajouter de plus, donc je suis content, c'est vrai. J'aime quand tout le monde est content. Tu vois un peu la destruction qu'elle laisse dans son sillage? Une multitude de jouets cassés qui se demandent pourquoi leur créateur les a abandonnés. J'imagine que tu t'en fiches royalement, Mathilistin. Vis ta petite vie. Mais va donc demander aux poissons innocents que tu viens de carboniser si le destin les a rapprochés. Un gentleman se tient juste devant. Un gentleman avec un chapeau de pirate. Mais c'est pas n'importe quel pirate. C'est un pirate squelette. Un squelette? Butons-le! Non, faites pas ça, c'est un gentil, je vous jure. Y'a pas plus gentil que lui. Ouais, je l'ai à l'œil. J'aimerais bien passer. Eh bien quoi? Vous voudriez franchir les portes saumâtres comme ça, peut-être? Sachez que vous parlez à Zach Sacron, protecteur maudit de la porte nue. Et je décrète que... c'est d'accord. Ah, c'était plutôt simple. Bien sûr, ça ne vous avancera pas à grand-chose. La porte Swag est gardée par un sublime corsaire sanguinaire qu'on appelle Chartreuse le Chaste. Vous n'avez aucune chance de passer, à moins, bien sûr, que vous m'aidiez pour une quête. Oh, une quête de pirate! Une quête de pirate! Valentine, tu as envie de faire une quête de pirate? Non, tu peux le dire, ouais! Bienvenue à bord! Mais pas de quête possible sans mon fidèle Piafoncule Polly. Un destin funeste s'est abattu sur elle, et il nous faut rassembler les composants nécessaires à sa reconstruction. Alito, what's up? Les mers sont hargneux depuis l'anéantissement de l'océan. Comment ça va, Alito? Alito.
Yeah. Cache-œil de Polly. Paradoxalement, c'est grâce à lui qu'elle se dirige. On a l'obligation morale de s'optimiser. Bon. Et Antoine. Sors sa charne. Ok. So.
ses volets de navigation. Ils permettent à Polly de voler pour repérer des voiles à l'horizon, ce qu'il en reste. Oh. Et voilà le bec-balise beuglant de Polly. Elle devrait bientôt se remettre à piailler. Elle est presque terminée. Il ne lui manque plus que le cœur Polly magique. Tout ça fonctionne à l'énergie spirituelle, bien sûr. C'était quoi? C'est ce que je redoutais le plus. C'est Moby Dick, terreur des flots salés, alias l'écrou de la mer. Quand on est opportuniste, toute carte est une carte au trésor. L'assemblage méticuleux d'un piafoncule requiert des années de pratique des arcanes et du bricolage. Mais je ne m'arrête pas à ce genre de détails. Emboîtez-lui le bat. Ah la revoilà. Salut Monsieur Couillard, comment ça va? Okay, mon fidèle piafoncule, prêt à réintégrer mon équipage? Polly vient de ressusciter! Et il sert à quoi votre espèce d'oiseau? Polly est ma navigatrice. Si nous voulons affronter le chaste et ouvrir la porte Swag, nous aurons besoin de mon ex-équipage. Retrouvez-les, Polly! Retrouvez! Chartreuse le chaste est plus qu'un pirate renommé. Il est immortel. Son équipage a été frappé d'une rare malédiction appelée l'armure en scénarium. J'en sais quelque chose. J'en souffre également. Armes et navires ne suffiront pas à le vaincre. Ah ah
matelots. Si vous ne les dérouillez pas, il n'en faut que leur tête. Affrontez-le en blé. Allez, préparez pour eux. Vous avez entendu, les gars? On nous cherche des noises. Ce serait pas un combat équitable. D'une, on possède l'armure en scénario. Et de deux, j'ai presque pas d'alcool dans le sang. Allons, du balai. Ok. Comment on compte forcer ce type à se battre? Facile, règle des pirates 27B. Tout grog renversé doit être vengé. Casse sa tasse. Pas le choix quand il y avait un siphonné. C'est mieux qu'un gosier sec. Tu viens d'enfreindre la règle des pirates 27B. Je suis à deux doigts de sortir de mes gonds. Tu chasses la bagarre avec un loup de mer. Bien entendu, t'as vraiment rien écouté du tout. Quel intérêt? Tu dois te battre comme une vache laitière. Pourquoi on est choqué? Parce qu'on vient de nous lancer un duel d'insultes. C'est comme ça chez les pirates. On va devoir lui balancer la réplique la plus cinglante, la plus méchante, la plus traumatisante de la cour de récré. Sinon, c'est perdu. Il va nous falloir des options. Si tu vois un bateau qui flotte, c'est que ta mère n'est pas à bord. Personne ne parle des matelots de la sorte. Prépare-toi à te faire embrocher. Tello, ça te protège de la mort, mais pas des raclés. À présent, rejoins mon équipage et aide-moi à vaincre Chartreuse le Dauphin. Hurrah ! Plus que quelques marins à rallier, et je sais exactement où les trouver. Polly, cap sur port rapide. Port rapide ! Port rapide ! What ? Allez. Rien que pour toi. On va rien. Avant que l'océan se fasse explosifier, Port Rapine était une petite ville insulaire pirate. Mais... mode de civilisation, un bastion d'espoir, savoir. Non ! Mal lu, tabarnak. Ce temps de recharge a duré trois plombes, sérieux ? Je commence la boulot de bout, j'imagine. Ah non, faut se pire.
attaquer ou parer ou... Enfin, mourir, je sais pas, moi. C'est parti, je veux des réductions. Parle d'équipement, moi. Je sens la flibuste d'ici. Sentez la flibuste avec vos narines de chair. Le reste de mon équipage est forcément quelque part. Tous ensemble, rien ne peut nous... Celui-là est à moi. Pas touche, Robita. Albert Thomas. Trésor maintenant, il y a quelque part. Je ne suis pas à l'horizon, je n'y ai pas.
m'accompagne. Mais aucune femme à l'horizon, ni à bâbord, ni à tribord. Je dois bien me garder de bord. Ça, c'est un dé qui porte chance. Où je rêve d'une douce compagne qui briserait cette lassitude qui trop souvent m'accompagne. Mais aucune femme à l'horizon, ni à bâbord, ni à tribord. Je dois bien me faire une raison. Il ne me reste qu'à virer de bord. Tant de nuits de solitude où je rêve d'une douce compagne qui briserait cette lassitude qui trop souvent m'accompagne. Mais aucune femme à l'horizon, ni à bâbord, ni à tribord. Je dois bien me faire une raison. D'autres maintenant. Regardez, c'est Polly. Elle est vivante. Et elle ramène de nouvelles recrues. Flottant les airs avec le grand pirate, le Chaste, à bord du front la brise. Pas d'expérience requise. Ça va pas le faire. J'ai déjà un capitaine. Zack Sacrum, pour ne pas le citer. Zack Sacrum. C'est à cause de lui que Gabi et moi on ressemble à ça. Jamais on vous rejoindra. Le Chaste est notre capitaine à présent. Alors tirez-vous. Gabi, remets-toi à chanter. Tant de nuits de solitude. Ils se sont ralliés à le Chaste. Bande de mutins. Poussez-les à se battre, vous autres. Règle des pirates 81D. Si un ballon est éclaté, l'éclateur doit être abattu. Oh, tu sais lire, c'est trop chou. De nuit de solitude où je rêve d'une douce compagne qui briserait cette lassitude trop souvent ma compagne. Mais aucune femme à l'horizon, ni à bâbord, ni à tribord. Je dois bien me faire une raison. Il ne me reste que tirer de bord. Oh, c'est des ballons pour gamins. Tout le monde s'en fout. Triste époque qui voit les règles des pirates bafouées. Je suppose que nous devons attirer leur attention plus violemment. Éclater le ballon du Fabrice. Et je me suis tué tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait, Noé ? Et qu'est-ce que j'ai fait là? Ah bah, non. Et hop, direction les amis.
slip s'y trouvait. Nouvelle recrue, montrez un peu à ces cartes de crâne ce que vous avez dans le ventre. Mais ça alors, qui est-ce qui se décide à venir dire bonjour? Vise les yeux! Et ben voilà! Comme attendu. Et un tabarnak. Bande de perceurs de coffres infestés de vérole. Quelqu'un va finir par se blesser. On accepte de rejoindre l'équipage de Sacrum. J'ai récupéré mon équipage. Passons à mon avis. C'est la plus belle embarcation à avoir jamais trempé dans la mer adipeuse. Polly, ouvre-nous l'épave de la goélette coquette. Je me suis retrouvé au fond de ce qui était autrefois l'océan. Une histoire de pirate. Ça va être barbant. Oubliez-moi deux minutes. J'étais le pirate le plus féroce de la mer. Je possédais un vaillant navire, un fidèle équipage et... le grand bateau. Mais j'ai tout perdu. Bah, tout ? Même pas une petite malédiction? Écoute, marin de dos, si mon histoire de pirate ne plaît pas, eh ben c'est pareil! Ah, tu vois, elle fait n'importe quoi. Elle oublie tout le temps de prendre la voix de son personnage dès que son histoire prend l'eau. Non, tu croyais vraiment que t'allais gagner, c'est ça? Tabarnache. Une nouvelle vie vous tend les bras. Ne gâchez pas tout.
Je m'éclate. Je me demande quel est le meilleur endroit pour enterrer mon butin. J'ai l'impression d'être un écureuil. Bon. On nous barre la route. Polly, c'est le grand moment pour ton bec balise. Allez, on continue. La voilà, la goélette coquette. La seule femme que j'ai jamais aimée. Regarde, Polly, l'équipage est à nouveau au complet. Il y a même la planche. Zack Scrotum, comment oses-tu pointer ta tête de fouine ici? Chartounet, je ne suis plus ton Chartounet. Et je t'apprendrai que j'ai formé un nouvel équipage loyal en ton absence. Même si la loyauté est un concept qui te dépasse.
La goélette coquette reste à moi, Chartounet. Marin, parez à embarquer. Puis ces canailles, servez-vous des conduits et embarquez sur la goélette. C'est mon beau navire. On ne peut pas le faire naviguer dans cet état. Prenez le gouvernail. Higginsworth, le maître d'équipage. Crois-moi, tu n'as vraiment pas envie de traîner là. Je te sors un sort. Ah, en dessous, vraiment. Bien joué, les gars. Placez-le en haut du mât et admirez-le, flottant au vent. C'est la fin pour toi. Plus d'un coup dans ton sang, là. Placez-le en plein milieu de la proue. Belle comme au premier jour. Par ici, nous allons restaurer la gloire d'antan de la goélette coquette. Un bateau, lui aussi, possède une âme. Et j'ai étudié la naviromancie. Il est temps de faire danser son squelette de bois. Allez les gars, musique! Allez, Mousséen. Le chaste vous a appelé Zax Crotum tout à l'heure. Qu'est-ce que vous nous cachez? Vous méritez de connaître la vérité. Il n'y a qu'un moyen de raconter une histoire pirate digne de ce nom.
une reconstitution en musique. Tout le monde à son poste! Un fameux pirate charmant et costaud, le seul et unique Chartreuse le beau. Regard lumineux, ado phénoméno, je ferai tout pour qu'il me Chartounet, amoureux de ma vie, nous avons tant vogué ensemble. Depuis jour maudit, je n'ai qu'une envie, que le destin enfin nous rassemble. Nous voilà immortels désormais, d'un amour fou, peine coupable. Oh, mais oui, je lui ai fait le fameux sale coup de la vie éternelle. Ça marche à chaque fois. On ne manque pas d'âme indisciplinée qui s'accroche aux lambeaux de souvenirs déjà effacés. La vache, c'est horrible. Je parle comme elle. Chartounet ne m'a jamais pardonné. Lui et ses hommes ont coulé la goélette coquette, et disparu avec ça. Voilà la vérité. Je suis responsable de la malédiction. Il m'incombe donc de réparer mes erreurs. Maudit pour l'éternité, tel est votre pénitence. Je suis servi ce que l'été, mais... Le mépris des tempêtes n'est pas loin. Suivez Poli, les gars. Nous devons corriger une injustice. Sans l'héroïsme par ici. Sans durée. Tout d'abord est du lore. Les poulons, on va tout cartographier. Dégagez son cadavre. On va lui donner le sang. Ça
réparer ce qui fut brisé. Chaque pas révèle un nouvel espoir déchu. La tâche semble insurmontable, mais les héros se doivent d'aller de l'avant. C'est l'instant de vérité, les gars! Derrière ce mur se trouve le mépris des tempêtes. Alors, fermez les écoutilles et flibustez-moi tout ça! Feu! Non, j'étais pas devant. Et même de ça, désormais, tirer et sprinter en même temps. Là. Soyez honnête et exprimez vos sentiments, tous les deux.
ce que j'aime chez toi. À présent, écoute-moi, Chartreuse le Chaste. Je suis désolé. J'aurais dû te demander avant de tous nous condamner à la mort vie éternelle. Ma peur de te perdre a obscurci mon jugement. Tu n'as jamais su faire preuve de bon sens, ni de ton vivant, ni après. Mais merci. Je ne peux lever la malédiction, mais je peux passer l'éternité à tenter de me racheter. Mon amour pour toi est massif, Chartreuse. Oh, toi et tes paroles enjôleuses. Mon cœur t'a toujours appartenu, Zack. C'est d'accord. Désolé, jeune mousse. Il n'y a pas de place pour les vivants à bord. Mais je suis sûr qu'on se reverra. Après tout, vous êtes la main du destin. Et le destin nous rapproche. Vous trouverez la clé de la porte Swag dans mon butin enfoui. Servez-vous allègrement, car mon véritable trésor se trouve ici. Prenez soin de Polly, surtout. C'est beau, l'amour. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Tiny Tina's Wonderland live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!